elle est, mon erreur? Parce que je ne t'aime plus, c'est ça, c'est bon? Que je vais inviter ici. God bless you, Dad. Alléluia. Nous restons debout. Prions que nous ne sommes pas venus apporter des informations. Celui qui est mort est ressuscité. Celui qui est capable de restaurer et de rebâtir les antiques ruines, il est là ce soir. Un mot suffit. Un mot suffit. Un mot suffit. Cycle infernal de cette vie héritée. Vous pouvez ce soir, le Seigneur est capable de briser parce qu'il a dit, il est venu pour guérir le cœur brisé. D'abord, le cœur brisé. Les cœurs brisés peuvent être brisés à cause des circonstances. Ouvrez mes yeux, Seigneur. Ouvrez mon cœur. Mes yeux, fais que je vois. Ouvre mes oreilles pour que j'entende. Ouvre ma pensée. Je vois. Pour que je vois, ouvre mes oreilles, pour que j'entende, pour que j'entende, ma pensée, pour mes pensées. Fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre. Ce que me dit l'Esprit. Seigneur,
puissance renouvelée. Bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous déclarons et nous disons Amen. Veuillez vous rasseoir. Le serviteur de Dieu va nous aider à lire le texte, s'il vous plaît. Nous voulons dire merci aux collègues et aux compagnons et aux fils. Vous savez, lorsque les fils, ils sont plus enfants, ils deviennent fils. Un fils est un héritier. Un enfant ne peut pas être un héritier. Mais un fils est un héritier. Et lorsqu'il est héritier, il devient des fois ami, pas ami, mais collègue et compagnon à la fois. Parce qu'il y a des choses qui sont confidentes qu'on ne donne qu'aux fils, on ne peut pas donner aux enfants. Amen. Merci la famille selon le cœur de Dieu. Le texte de base, nous avons quelques deux textes. Le premier texte est dans le livre de Josué, le chapitre 24. Josué 24, 14 à 16. Et le deuxième texte serait dans le livre de Éphésiens, le chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 17. Josué chapitre 24, verset 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve. Soulignez cela, faites disparaître. Continuez. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Soulignez cela. Moi et ma maison, nous servirons qui ? L'Éternel. D'accord. Éphésiens chapitre 1er. Chapitre 3, pardon. Verset 14. Verset 14 au verset 17. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Je fléchis les genoux devant le Père. Devant le Père. Continuez. Duquel tire son nom. Toute famille dans les cieux et sur la terre. Toute famille où c'est dans les cieux et sur la terre. Tire leur nom de qui? Du Père. Ok, continuez. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous disons Amen. Amen. La famille, selon le cœur de Dieu, vous pouvez choisir de conduire ou de vivre avec votre famille selon le cœur de Dieu ou selon autre chose, parce que c'est un choix. Nous voyons une personne, un jeune homme qui a grandi aussi dans sa famille, Joshua, que nous connaissons tous. Ce jeune homme qui a été envoyé par Moïse et son ami Caleb et les autres 12 pour aller espionner. Quand ils sont revenus, les autres ont donné un rapport qui était pessimiste. Mais Josué et Caleb ont déclaré, nous avons trouvé un pays bon, un pays habitable, un pays où tout est beau, un pays où il y a tout.
Mais nous avons trouvé aussi des géants. Des géants sont là. Mais nous nous croyons que Dieu nous donnera. Dieu nous donnera cette terre. Ils ont déclaré. Mais les autres ont dit non, non, nous avons trouvé un pays habitable. Là où il y a de raisins, il y a tout ce que Dieu a dit, même de miel. Mais nous avons trouvé des géants. Et nous nous ressemblions devant eux comme des sauterelles. Ils se sont donné même des noms de sauterelles. Sans que Dieu ne leur donne ces noms. Ils se sont donné un nom. Devant ces géants, nous sommes des sauterelles. Et c'est ce qui a fait un cycle. Un cycle de plus d'années. Et le Seigneur a dit, parce que vous n'avez pas cru. Il y a eu deux seulement qui ont cru que c'est possible. Pourquoi? Ils ont tiré la foi d'où? Moi, je crois que ces jeunes gens, comme la Bible nous dit, la Bible s'explique par elle-même, la Bible nous dit, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Je crois que Joshua et Caleb ont été instruits que Dieu, c'est un Dieu qui change les impossibilités aux possibilités. C'est un Dieu qui fraye un chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est un Dieu qui change le temps et les circonstances. Il ne les change pas seulement, mais il les maîtrise. Ils ont compris. Mais malheureusement, plus tard, gloire soit rendue à Dieu, parce que ceux-là qui ont été pessimistes, ils n'ont pas vu la terre promise, mais Caleb et Josué ont vu la terre promise. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous pouvez vivre au milieu des autres, mais ne soyez pas comme les autres. Moi, je crois, et je crois, parce qu'en Israël, les enfants qui grandissaient à 5 ans seulement, un enfant juif devait apprendre toute la loi, la Torah de Dieu. Il pouvait réciter cela à 5 ans. À 12 ans en Israël, une fille peut se marier et devenir mère. C'est pourquoi même la fille du chef de synagogue était malade. Elle est même morte. Parce qu'elle s'attendait au mariage, mais le mariage n'est pas venu. Elle est morte, mais gloire soit rendue à Dieu, Jésus l'a rendu la vie. Vous savez, nous devons apprendre certaines choses. Il y a quelqu'un qui a dit quelque part que lorsque un arbre s'élève déjà, lorsque c'est tordu dès l'enfance, de son jeune âge, quand cet arbre grandit et croît, finalement, avec des défauts, et si ces défauts ne sont pas arrangés là en bas, il y aura des cassures. Vous allez peut-être couper ces dépôts pour que cet arbre s'élève d'une bonne manière. Il y a certaines choses, frères et sœurs, que nous subissons, que nous n'avons pas été l'auteur. Comme aujourd'hui dans le monde, le péché aujourd'hui dans le monde, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi moi je dois être privé de la gloire de Dieu? Est-ce que j'avais péché? Non. Mais c'est au travers de qui? C'est pourquoi nous voulons voir ensemble le point suivant. Toutes les familles de la terre tirent leur origine en Dieu. Hormis Adam et Ève, nous avons entendu ce que l'apôtre a parlé. Nous avons été hier avec le docteur. Toutes les familles de la terre tirent leur source, origine en Dieu.
dire leur nom au ciel et sur la terre. Toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux, il y a quelle famille? C'est-à-dire, il y avait une famille dans les cieux que Dieu voulait que cette famille soit un modèle, comme Dieu avait dit à Moïse. Vous ferez le tabernacle d'après le modèle que je te montrerai. C'est-à-dire, il y avait une famille dans les cieux. Et quelle famille dans les cieux? Les anges ne sont pas des fils de Dieu. Mais qui était membre de la famille de Dieu? Dieu était là, il a dit, dans leur famille, faisons. Lorsqu'il y a un faisons, où nous, ce n'est pas un nous majesté, mais un nous là, parce qu'il y avait Elohim, le pluralisme, où nous trouvons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une famille, unie, ensemble. Et ils vont décider d'élargir leur famille. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, je disais au pasteur, je disais, ce thème va apporter un renouveau. Ce n'est pas même pas pour ceux qui vont nous écouter, ceux qui nous suivent, gloire soit rendue à Dieu, mais un renouveau ici au CEP. Un renouveau. Et si vous représentez une famille ici, je crois que votre lendemain ne sera pas ce que vous êtes aujourd'hui. Votre main, si votre main ne surpasse pas la main de quelqu'un d'autre, c'est que quelqu'un d'autre est béni plus que toi. Il faut dire amen parce que c'est ainsi soit-il. Amen. Et nous disions, hormis Adam et Ève, voilà ce que Dieu lui-même a dit. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, toutes les familles de la terre tirent leur nom. Leur nom. De qui? De Dieu. Ce n'est pas de nos ancêtres. Ce n'est pas même pas de nos coutumes. Ce n'est même pas d'un gouvernement ou d'un royaume ou des lois de la terre, mais dit leur nom de Dieu. Voilà ce que Dieu voulait. Hormis Adam et Ève, frères et sœurs, vous et moi, nous sommes sortis d'une famille. Nous sommes d'accord? Qui n'est pas sorti d'une famille? Qui est un extraterrestre? Qui est un... Il y a même des extraterrestres, des ovnis. Nous sortons tous d'une famille. Même notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, il sort d'une famille. Et lorsque nous voyons la lignée, et la famille, c'est quoi? La famille, par définition, je disais au frère, on pouvait lancer. Il m'a dit, non, pasteur, on va écrire seulement le thème, parce que je devais avoir ça pour que vous puissiez voir la source et l'origine même de ces mots-là. Le concept de ces mots, famille, veut dire, écrivez O pour qu'on puisse prononcer, écrivez O, I, K, E, I, O et S. Est-ce que je vais trop vite? O, I, K, E, I, O, S. Oikeos. C'est famille. Mais ce mot oikeios tire, c'est ce que nous pouvons, la racine de ce mot là se retrouve dans le mot oikos, c'est des o i k o s, oikos, qui veut dire maison. C'est pourquoi vous trouvez toujours dans la Bible, lorsque vous trouvez, on parle de la famille, la maison d'eux, ce n'est pas un bâtiment. La maison d'eux, c'est la famille d'eux. Et nous allons prendre quelques exemples dans la parole de Dieu. Et le mot famille aussi, deuxièmement, veut dire patria.
Patria, écrivez comme vous entendez là, Patria, pas Patria, qui a donné des pater, pater avec accent aigu, grave, mais pas aigu, pater avec P-A-T-R-R, qui a donné le mot père. Il n'a pas de famille sans père. C'est le mot famille. Voilà ces noms-là. Oikeios, famille, qui dérive du mot maison et qui veut dire patria ou pater, qui donne le mot père. Le mot est utilisé pour nous donner ce que nous appelons la lignée. La lignée de. C'est pourquoi nous avons ce que nous appelons des généalogies. Et aussi parmi nous aujourd'hui, il y a même le Christ. Lorsqu'on parle de Christ, on dit le fils d'Abraham. Dans d'autres versions, on commence non pas par Abraham, mais il commence par fils d'Adam. Fils d'Abraham, fils de David. Voilà sa lignée. Et dans sa lignée de Christ, nous allons trouver même des Moabites dedans. Rite. Nous trouvons même une femme. Comment elle s'appelle? La femme qui se trouve dans le livre de Josué. Rahab, la prostituée. C'est-à-dire, dans la lignée de Christ, il ramasse tout. Même si on était une prostituée, lorsque vous venez à lui, il change votre nom. Même si vous étiez Moabite, le docteur nous a expliqué, les Moabites et les autres ne pouvaient même pas entrer dans les sanctuaires de Dieu. Ils ne pouvaient même pas participer. Ils étaient loin. Mais maintenant, nous ne sommes pas loin, nous sommes devenus proches. Amen. Amen. Et ce mot désigne aussi des races, la famille. La famille aussi désigne des nationalités. Les nationalités, c'est pourquoi nous avons vu dans le livre d'Éphésiens 3, le verset 15, toutes les familles de la terre tirent leur nom. Ils tirent leur nom de qui? De Dieu. Et Dieu, qui est la source. C'est pourquoi, souvent lorsque nous disons, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Abba, source, Abba, mes origines. Vous ne descendez pas d'un singe, parce qu'un singe, depuis qu'il est singe, il n'a jamais changé. Et il ne changera jamais. Il sera toujours singe. Un chimpanzé, il ne sera jamais un homme. Montre-moi l'avion, montre-moi la voiture, montre-moi. Depuis des années, depuis des décennies, un chimpanzé reste toujours. C'est-à-dire, nous ne tirons pas notre origine, notre source en quelqu'un d'autre, ni même pas dans l'ensemble des atomes et des cellules de quoi que ce soit, mais notre source, c'est Dieu. Dites à quelqu'un, votre source, c'est qui? Et Dieu est qui? Wow. C'est la deuxième question. Si nous tirons notre source, nom de Dieu, et le nom veut dire caractère. Dis avec moi caractère. Le nom veut dire la puissance. Le nom veut dire aussi le pouvoir. Le nom aussi, c'est l'autorité. Le nom, c'est la personnalité. Tire son nom. Toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent leur nom, leur caractère.
non pas seulement caractère, tire leur personnalité, tire leur vie de Dieu. Et Dieu est qui? Dans Jean chapitre 4, verset 24, la Bible nous dit, premièrement, Dieu est amour. Dieu est esprit. Amen. Il est qui d'abord? Il est qui Dieu? Non, non, il est esprit. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Dans Jean 4, il donne encore une autre dimension de Dieu. Dieu est amour. Dans 1 Jean, il dit aussi que Dieu est lumière. Il n'est pas ténèbres. Dieu est esprit, Dieu est amour et Dieu est lumière. Voilà notre Dieu où nous tirons tous l'origine et la source. Et ici nous voyons un homme et comme nous tirons notre source de Dieu, je disais que le mot maison, famille veut dire aussi maison. Dans Luc chapitre 1er, le pasteur peut nous lire ça. Luc 1er, verset 69 à 75. Luc. Luc chapitre 1er, le verset 69 à 75. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Il nous a suscité qui? Un puissant sauveur dans la maison. Nous pouvons dire aussi, paraphraser, dans la famille de David. Il nous a suscité un puissant sauveur qui est venu comme un petit. Comme vous et moi, nous sommes venus dans ce monde. Mais il nous a suscité un puissant sauveur. Vous, lorsque vous êtes venu dans ce monde et vous êtes entré dans ce monde par la maison de votre père, de votre famille ou de votre lignée, vous êtes né comme qui? Pour devenir qui? Pour faire quoi? Ici sur terre. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de... Dans la famille de frères et sœurs, chaque enfant qui naît sur cette terre est né pour une mission. Dites à quelqu'un, vous êtes né pour une mission. Et pour un but. Dans la famille, nous naissons pour un but. Cet enfant qui est né, Dieu l'a suscité dans cette famille pour être un puissant sauveur. Non pas un puissant malfaiteur, non pas un puissant destructeur, non pas un puissant, mettez les noms, toutes les qualifications que vous pouvez mettre. Dieu suscite, Dieu nous envoie dans la famille pour une mission, pour un but. Dites à quelqu'un, vous êtes venu dans ce monde pour une mission et pour un but. Parle à quelqu'un. La mission que vous accomplissez, si vous ne découvrez pas votre mission en Dieu, vous allez le découvrir une autre personne. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Et vous allez agir selon cette personne-là. Merci, pasteur. Vous pouvez vous asseoir. J'aurai toujours besoin de vous pour lire. Dites encore à quelqu'un, vous êtes venu pour une mission. Je donne un exemple. Est-ce que Dieu avait voulu, lorsque Ève a conçu Caïn, Adam a connu sa femme et le premier enfant qui vient dans la vie, il lui donne le nom de Caïn. Caïn, ce n'est même pas le nom du diable, un bon nom. J'ai eu un enfant avec l'aide de Dieu.
J'ai eu l'enfant avec l'aide de qui? Mais regarde cet enfant, Dieu qui est lumière, Dieu qui est saint, Dieu qui est amour, Dieu qui est esprit. Cet enfant est né et la Bible nous dit que cet enfant va devenir le premier maîtrier. Est-ce que Dieu est maîtrier? Nous nous posons la question, est-ce que Dieu est maîtrier? J'ai eu un enfant avec l'aide de Dieu. Cet enfant qui est venu au monde avec l'aide de Dieu, qui est esprit, qui est saint, qui est amour, qui est miséricordieux, qui est compatissant. Un enfant qui sort et qui devient le premier maîtrier. Et il va aujourd'hui la lignée de tous les maîtriers et tous les assassins. Aujourd'hui, ils sont qui? Ils sont nés de la lignée de qui? C'est-à-dire, lorsque nous venons dans la famille, nous venons pour une mission. Vous êtes là pour une mission. Il y en a tant d'autres qui n'ont pas encore découvert leur mission sur la terre. Ils fréquentent nos églises. Ils sont là nombreux. Ils ont étudié dans les universités. Ils pensent peut-être sa mission, c'est le nom qui va se faire. Mais lorsque Dieu n'a pas fait de vous un nom, même si vous faites un nom par vous-même, votre nom va disparaître après votre mort. Ne cherchez pas à vous faire un nom sans être un nom. Mais soyez un nom parce que Dieu vous a donné un nom. Et que ce nom-là ne disparaîtra jamais. On parlera de vous après les autres générations. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Premièrement, courtement, nous allons prier. Nous trouvons un jeune homme qui s'appelle Joshua. Avant Josué, l'Éternel peut choisir un seul dans une famille pour qu'il soit une bénédiction. Amos le chapitre 3 verset 2. Amos chapitre 3 verset 2. Je vous ai choisi, vous seul, parmi toutes les familles de la terre. Je vous ai choisi, vous seul, parmi qui? Toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Voilà. Merci. Je vous ai choisi parmi toutes les familles de la terre. Mais comme vous ne connaissez pas votre mission, je vous châtierai pour votre iniquité. Est-ce que Dieu peut nous créer pour nous châtier? C'est pourquoi il dit non. Moi, je vous ai choisi pour que je marche avec toi dans votre famille, pour que je marche avec toi. Non pas seulement avec toi, mais pour que je marche aussi avec tes enfants. Non pas seulement avec tes enfants, mais avec les enfants des enfants de tes enfants qui naîtront après toi, parce que vous serez un repère. Wow. Est-ce que tu entends?
C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un père pour qu'il y ait des repères. Un père qui n'est pas un modèle, il n'est pas repère de ceux qui viennent après lui. Aujourd'hui, les autres sont en train de payer. Gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu a changé les dons. Ils sont en train de payer. Lorsqu'il se présente quelque part, vous êtes fils d'eux. Soit on vous reçoit, soit on vous repousse. C'est pas vrai ça? C'est pas vrai? Je suis le fils d'eux. Soit il y a eu un précédent à cause de ce que papa a fait. Aux gens, de ce que papa avait commis, certaines personnes qu'il avait détruites, de certaines familles qu'il a détruites, et vous, vous êtes caricaturés. Vous êtes vus selon le modèle, comme si vous portez le visage de papa. Vous n'êtes pas papa. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il va dire, en Israël, vous ne direz plus jamais ces proverbes. Les parents mangeaient des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Vous ne direz plus jamais ça, car celui qui mange les raisins verts, ce sont ses propres dents qui seront agacées. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je peux entendre Alléluia par quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Ça dit, je ne serai pas victime de ce que les autres ont été. Et je ne mourrai pas de la mort que les autres sont morts. Amen. Je ne connaîtrai pas de maladies que les autres ont connues. Parce que maintenant, je porte un autre nom. Pas ce nom-là. Toutes les familles de la terre tirent leur nom. Dans les cieux et sur la terre, tirent leur nom. Ce soir, ne sortez pas de ces lieux. Quelqu'un ne sortira pas de ces lieux avec ses discours toujours. Ce que je suis, ce que je suis en train de connaître, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Ça ne sera pas à cause d'eux, mais à cause de ce que vous-même vous faites. De ce que vous vivez vous-même. C'est pourquoi ce jour-là, Josué va appeler tout Israël au soir de son séjour, de son leadership. Il appelle Israël et il leur dit, voilà comment nous avons marché. Nous avons vu les Moabites. Nous avons vu et nous avons servi parmi nous. Si notre marche a été tellement pesante, a été tellement lourde, et Dieu nous a ramenés au lieu de nous ramener quelques jours seulement pour que nous arrivions. Parce que vous saviez qu'on pouvait faire seulement une semaine, 40 jours pour arriver à la terre promise. Mais ils ont fait combien d'années? 40 ans, un cycle. Il y a certains ce soir qui vivent une vie cyclique. Écoutez-moi bien, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu cyclique, c'est un Dieu linéaire. Il commence et il achève. Waouh, est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il fait comme ça. Ma vie n'est pas cyclique. Fais comme ça avec moi, ma vie. Ce n'est pas que ce qui a été, c'est ce qui sera. Pour moi, non. À partir où je commence avec le Seigneur, je vais continuer avec lui parce que je vais achever. Et c'est là, au-delà de ça, lui, il achève même avant de commencer. C'est-à-dire, il a achevé déjà ici et il va commencer là. Mais il ne faut pas que vous soyez toujours dans un éternel recommencement. Et ne pensez pas que la bénédiction que vous pouvez connaître dans votre vie, frères et sœurs, c'est ce que vous avez de physique.
c'est ce que vous avez de matériel. Ce n'est pas une bénédiction. Je donne un exemple. Joseph est allé en Égypte. Il avait quelle bénédiction? Il n'avait rien, mais il avait la bonne main de Dieu sur lui. Quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Vous pouvez ne pas avoir de physique, de matériel, de matière, mais vous avez la bonne main de Dieu. Dis avec moi, la bonne main de Dieu. Que la bonne main de Dieu soit sur vous ce soir. Et partout vous allez passer. Partout vous allez passer. Même si on vous prend un exemple que nous pouvons prendre. Isaac. Isaac est arrivé quelque part à Guéra. Dieu lui a dit, n'allez pas. Parce qu'il y a eu famine comme au temps de son père. Il y avait certaines choses qui peuvent nous arriver, qui peuvent être semblables à ce que nos parents ont connu, même la maladie. Et Dieu lui a dit, il a consulté l'Éternel. Frères et sœurs, avant toute chose, faites des prières. Ne faites pas parce que vous avez eu l'expérience. Ne faites pas parce que hier vous avez reçu et vous n'avez plus besoin de prier. C'est-à-dire, je prierai toujours avant de commencer quelque chose. Pour que j'écoute Dieu. Il a prié. Dieu lui a dit, reste à Guéra. Je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Et il reprend ce qu'il a dit à son père. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est-à-dire, il reprend la même parole qu'il a dit à qui? À son père. Mais toi, reste à Guéra. N'allez pas en Égypte, peut-être l'expérience d'Abraham ne sera pas ton expérience. Les expériences de mes parents ne seront jamais mes expériences à moi. Abraham est allé, mais il a menti. Son fils aussi avait commis aussi la même chose. Mais la Bible nous dit qu'il est resté à Guéra, il a semé. Lorsque il est allé creuser le puits, que son père, le puits, dit avec moi, ce n'est pas la source, mais le puits. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui creusent le puits de ce que les autres ont fait. Hein. Et les autres sont venus, il y a eu un peu d'eau. Ils sont venus, ils ont comblé ça avec du sable. Et il a continué. Et finalement, arrivé quelque part, la Bible nous dit que les ennemis sont venus, ils ont pris aussi. Mais quand ils ont pris, il est allé quelque part. Il a repris la même chose. Et il est arrivé dans un endroit où on lui a fait querelle, qu'on a appelé ça Sitna, qui a donné le nom de Satan aujourd'hui. Et quand il est arrivé là, il a trouvé à Rehoboth, une source, que le cep résurrection devienne un Rehoboth. C'est un Rehoboth. Quoi qu'on nous a fait querelle des années, querelle. Il y a ceux qui sont habitués aux querelles. Nous ne sommes pas habitués aux querelles parce que la bonne main de Dieu est sur nous. Et là où nous allons, nous aurons notre Rehoboth. Parce que je viens d'une famille. Et quand il est arrivé, la Bible nous dit, même le roi est allé vers lui. Il a dit que nous avons reconnu que Dieu est avec toi. Mais faisons alliance avec toi, avec moi. Pour que lorsque vous apprendrez qu'il y a la guerre, venez à mon secours. Que les autres qui vous ont un jour, chassé, un jour méprisé, qu'ils viennent et qu'ils reconnaissent que Dieu est avec toi. Et Dieu va reconnaître. Les autres viendront en ces lieux et ils reconnaîtront que Dieu qui est adoré ici à cette résurrection, ce n'est pas un Dieu qui abandonne ses enfants, c'est un Dieu qui marche avec nous parce que sa bénédiction est sur nous. Amen. Joseph est allé en Égypte. Ses frères même l'ont vendu. Il avait la bénédiction de Dieu. Frères, sœurs, le problème, c'est lorsque vous avez la bénédiction de ces dieux-là, même si papa vous a maudit, papa n'est qu'un nourricier.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Papa n'est qu'un nourricier. Mais il faut que la malédiction de papa trouve une cause. Si ça n'a pas une cause, ça n'aura pas d'effet. Il y a la loi de cause à effet. Il y a je vois les hommes de loi ici. Il y a la loi de cause à effet, n'est-ce pas ça? Est-ce qu'il y a une cause dans ces paroles sur moi? S'il n'a pas une cause, est-ce que ça aura d'effet? Ça n'aura jamais d'effet parce qu'il a dit comme l'hirondelle s'échappe, comme l'oiseau s'envole, ainsi toute malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Et que tout ce que les gens ont parlé sur vous ce soir, parce que toutes les familles dans les cieux et sur la terre disent leur nom de Dieu, parce que ce jour-là, la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, depuis ce jour-là que vous avez cru, votre nom est lié. Depuis le jour que vous avez cru, depuis le jour que moi j'ai cru, depuis le jour que vous avez accepté, votre nom est lié au nom de qui? Au nom de Dieu. Et comme le nom de Dieu, toutes les familles de la terre disent leur nom de lui, Dieu. Celui qui me touche touchera à qui? Celui qui essaye de me maudire, est-ce qu'on peut maudire Dieu? Et pourquoi il nous dit? Personne ne peut maudire celui qui porte le nom de Dieu. Amen. Laisse que votre nom, même si vous veniez d'une famille, et nous déclarons ce soir, que depuis que moi j'ai cru, Dieu m'a introduit dans sa famille. Quoi? Dans le livre d'Éphésiens, il a dit, vous n'êtes plus les étrangers. Vous êtes des concitoyens des saints. Saluez quelqu'un, un saint. Concitoyens des saints. Saluez quelqu'un, saluez quelqu'un. Concitoyens des saints. Waouh! C'est sérieux, hein? Vous êtes concitoyens des saints. Les saints dont on parle ici, ce ne sont pas des saints qui sont canonisés. Les saints, ce sont ceux-là qui sont mis à part, qui sont séparés d'eux et qui sont attachés à leur Dieu. Amen. Il y a quelqu'un saint. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la famille de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Dieu que vous appartenez à la famille de Dieu? Même si dans la famille du monde, vous n'avez pas héritage, dans la famille de Dieu, vous êtes héritier et vous êtes co-héritier. Vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Christ avec le Christ. Alléluia. Concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, que le Seigneur, frères et sœurs, vous savez, un mot suffit pour Dieu. C'est pourquoi, même si vous apparteniez à cette famille-là, il y a eu même ceux-là qui pouvaient faire les voyages astrales. Il y a même ceux-là qui pouvaient, s'ils montrent à quelqu'un le doigt comme ça, il te dit, je vais te faire disparaître. Vous lui dites, on ne peut pas faire disparaître un esprit parce que moi, je tire mon nom de Dieu. Et comme Dieu est esprit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, vous êtes un être spirituel dans un corps matériel. C'est pourquoi ne faites pas cas plus de votre corps.
fait plus cas de votre esprit. Cherchez à être en relation avec le Seigneur. C'est pourquoi Dieu a promis ces jours-là. L'esprit, quand l'homme a péché, l'esprit est parti. L'atmosphère de la présence de Dieu était partie. C'est pourquoi il est devenu nu. La gloire de Dieu était partie. La gloire, ce n'est pas... Aujourd'hui, les hommes cherchent ce qu'on appelle une vaine gloire. Mais la vraie gloire, c'est la présence de Christ en nous. Il a dit Christ en vous. Et c'est la gloire, la gloire, la gloire, c'est... Non, non, frère, nous pouvons étudier. Je continue à étudier jusqu'à aujourd'hui. Même si je peux recevoir de master, de doctorat, de quoi que ce soit, que je peux recevoir, ça ne me donnera pas la gloire. Les autres, ils vont lire cela le jour des obsèques, il était docteur en. Mais ça m'a amené où? Mais lorsque vous avez la gloire du Seigneur, ce qu'on appelle les kavod, c'est-à-dire vous êtes une personne qui est pesante. Qui est très lourd. Très lourd. Personne ne peut vous soulever. Parce que vous êtes attaché à Christ qui est une pierre. Qui est une pierre. Lorsqu'on les soulève, vous serez écrasé. Celui qui vous touche dans ce que vous faites, il va être écrasé. Dans les affaires que vous faites, il sera écrasé. Dans le ministère que vous entreprenez, il sera écrasé. C'est pourquoi, frère et soeur, ne parlez pas trop. Laissez les autres vivre pour qu'ils voient ce que le Seigneur va faire dans votre vie. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ne maudissez pas, mais faites quoi? Bénissez. Conçu quelque chose contre cette résurrection. Demain, nous allons quitter ces lieux. Ou si nous ne quittons pas ces lieux, nous allons prendre tous ces lieux. Où nous sommes. Parce que ce n'est pas notre problème à nous, c'est le problème du Seigneur. Mais il ne les prendra pas et qu'il descende, qu'il va les prendre par vous. Parce qu'à la fin de cette conférence, la famille selon le modèle de Dieu. Dieu va bénir l'ouvrage de vos mains. Vous tirez votre nom de qui? C'est pourquoi ces jours-là, Josué a dit, oui, je vais mourir. Mais moi, je crois qu'il parlait à ses enfants. Je vais mourir. Il a dit, je vais aller par le chemin de toute la terre. Par le chemin de toute la terre, c'est la mort. Oui, je vais partir. Mais après moi, vous avez servi les dieux que nous avons servi de l'autre côté. Maintenant, Dieu nous a ramenés de ces côtés de la terre promise. Voulez-vous encore continuer à servir ces dieux des Amoréens, ces dieux des Moabites, ces dieux des Évéens? Les Moabites, ce sont ceux-là que le roi même Balak a invité. Balaam, un devin, pour venir maudire Israël. Et quand il est venu, Dieu l'a résisté plusieurs fois. Mais comme il aimait l'argent, il voulait l'argent. La Bible nous dit qu'il est allé. Mais Dieu lui a dit, vous direz ce que je vous dirai. Frères et sœurs, même ces prophètes de malheur contre nos vies, dans nos familles, parce que vous n'envoyez rien au Congo, ils vous ont appris que vous êtes en Europe, ils pensent qu'ici en Europe, on ramasse de l'argent. On vous envoie des mauvais sorts. Ce mauvais sort ne fera rien dans votre vie. Jamais dans votre vie. Parce que vous n'êtes pas venu ici ramasser l'argent. Venez ici en Europe pour un but. Parce que vous avez découvert le but pour lequel vous avez été créé.
allez voir ce que le Seigneur fera de vous dans ces nations étrangères. Et quand il a essayé de les maudire, qu'est-ce qu'il a dit? Celui que Dieu a béni est béni éternellement. Je le vois, il est comme l'astre brillant. Je suis en train de le voir comme un lion qui ne lâche pas sa proie, qui ploie ses genoux. Je le vois comme les adorateurs de Dieu, car le Saint d'Israël est avec eux. Je le vois. Femmes étrangères, vous ne pouvez pas maudire. Quand ils vont s'unir dans le mariage avec des filles de Moab, des étrangers, vous les aurez. Pourquoi même pour le choix du mariage, faites attention. Aujourd'hui, le monde ne peut pas nous maudire, mais ils peuvent profiter dans nos relations avec des femmes et des hommes que nous choisissons. Vous ne pouvez pas chercher, aller chercher un homme qui ne connaît pas le Seigneur, le faire venir à l'église et dire qu'il va changer. Il sera comme un serpent qui a fait la mue. Mais un serpent qui a fait la mue, il n'est pas un papillon qui a subi une transformation. Il peut venir, mais un jour il te privera. N'allez pas dans votre église là. Qu'est-ce que vous allez faire dans votre église? Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il y a des autres qui se sont levés lorsqu'ils ont vu les filles. Un enfant israélien avec une fille entrée dans la tente. La plaie est maintenant dans l'église. À cause de nos relations, nous allons former quelle sorte de famille? Et ça ne sera pas des géants qui vont s'élever, des géants qui seront contre nous. Ou lorsque nous allons parler de l'homosexualité ici, ce sont les premiers qui viendront nous persécuter. Lorsque nous allons parler des géophilos, de lesbianisme ou des autres lois qui sont votées aujourd'hui dans le monde, est-ce que les nôtres ne seront pas dans ces parlements-là aujourd'hui pour aller voter les mêmes lois qui vont détruire l'Église? Mes frères et sœurs, nous dirons notre nom de Dieu, et c'est Dieu là, il a envoyé son fils qui est la parole, et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Votre nom n'est pas seulement celui qui fréquente cette résurrection, même si vous venez d'une autre église, mais vous êtes celui là qui a fait une expérience personnelle avec Dieu. Il vous a donné un nom nouveau que sa bouche détermine. Il a dit, je vous donnerai un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Il a dit que personne d'autre ne connaît sinon celui qui porte ce nom. C'est pourquoi le Saint-Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pour que vous ayez un témoignage personnel de qui vous êtes. Et même si vous êtes au milieu des autres, vous ne serez pas comme les autres. Vous serez différent. Vous serez comme un aigle au milieu des autres oiseaux. Levons nos mains et bénissons le Seigneur. Alléluia. Dans mon parcours sur la terre, poupée sombre. Dans ma marche pour le ciel, poupée sombre. La paix, mes doutes sur ma route. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle dans mon parcours. Dans mon parcours sur la terre, tout est sombre. Dans ma marche pour le ciel. Si la paix m'aide.
sur ma route. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Famille dans les cieux et sur la terre. Je n'ai pas choisi de venir dans ce monde, dans la famille dans laquelle je suis issu. Et je ne regrette pas de venir dans cette famille. Jusqu'aujourd'hui. Les pratiques, les coutumes qui ont été faites, qui ont été pratiquées, moi je ne connais pas. Même si j'ai connu cela, je l'ai pratiqué par ignorance. Et les conséquences, des fois, sont néfastes. Mais gloire soit rendue à toi, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire leur nom, leur source, leurs origines. Merci Père Céleste d'avoir donné ton Fils qui est la parole qui soutient ce monde, parce qu'autrefois tu as parlé dans les songes par les prophètes, mais ce temps qui est le temps de la fin, tu parles par ton Fils qui est la parole vivante, qui est la parole faite chair, qui a habité et qui habite maintenant dans tout cela qu'il reçoit comme Seigneur et Sauveur. Je viens renouveler ce soir mon engagement, ma consécration, mon obéissance à lui. Faisais. Maintenant,
je peux être transformé de gloire en gloire, de gloire en gloire, de puissance en puissance, de joie en joie, de vie en vie, de bénédiction en bénédiction, à cause de Jésus-Christ et de l'Esprit de gloire qui rend témoignage dans mon esprit que je lui appartiens. Je t'appartiens, Seigneur. Tu m'as racheté à un grand prix, non pas avec l'or et l'argent, mais par ton sang. Tu m'as introduit dans ta famille. Tu m'as délivré du royaume des ténèbres et tu m'as transporté dans le royaume de ton Fils, dans la famille de Dieu. Je le crois, je déclare, je me vais refléter ta gloire partout où je suis et partout où je serai. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est lui qui, les liens de la mort ne l'ont pas pu retenir. Aucun lien, aucune puissance, aucune malédiction ne peut me retenir. Ce soir, au nom de Jésus, je trace une ligne de démarcation. Une ligne de démarcation par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, des morts précoces, des maladies héréditaires, des échecs, des déceptions. Au nom de Jésus, tu as déclaré, celui qui croit en toi ne sera jamais confondu. Je ne serai jamais confondu, jamais déçu par les hommes, mais pas par toi. Je le crois, je le déclare. Seigneur.